1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre Ne suis-je pas libre N'ai-je pas vu notre Seigneur Yéhoshua Machia N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis néanmoins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma plaidoirie contre ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Képhas Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne pas travailler Qui fait une expédition militaire à sa propre solde Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau est-ce en humain que je dis ces choses? La Torah ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la Torah de Mosché, Tu ne muselleras pas le bœuf, qui foule le grain. Elohim se met-il en peine des bœufs? Ou n'est-ce pas sûrement à cause de nous, qu'il parle ainsi? Car c'est à cause de nous qu'il a été écrit, Que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, avec espérance de participer à l'espérance. Si nous avons semé en vous les choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles? Si d'autres participent à ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne pas faire obstacle à l'évangile du Machia. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées, Mange de ce qui vient du temple, et que ceux qui servent assidûment à l'autel, ont part à l'autel. Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile, de vivre de l'Évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ces choses pour que cela se passe ainsi avec moi, car pour moi, il serait plus beau de mourir, personne ne réduira à néant mon sujet de gloire. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Machia sans qu'il en coûte rien, et sans abuser de mon droit dans l'Évangile. Car moi, qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Et je suis devenu pour les juifs comme un juif, afin de gagner les juifs. Pour ceux qui sont sous la Torah, comme étant sous la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la Torah. Je suis devenu pour les violeurs de la Torah, comme violeurs de la Torah, N'étant pas violeur de la Torah d'Élohim, mais lié par la loi du machia afin de gagner les violeurs de la Torah. Je suis devenu faible pour les faibles, afin de gagner les faibles. Je suis devenu tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'en devenir participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? mais qu'un seul reçoit le prix. Courrez en effet de manière à le saisir. Or quiconque lutte dans les jeux sportifs, se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres.